Tu ne me connaissais pas avant aujourd'hui, tu regarderas, bon, j'ai Ah un. si, vous avez regardé, si, j'ai regardé votre interview sur les arbres géants, si, vous connaissez maintenant pas, bon, pas vraiment, je savais que vous faisiez tout ça, mais Alors, pas voilà, dans le détail, hein. tu regarderas, j'ai un compte Facebook, tu vas voir ce que je fais. Ça fait des années que je diffuse. D'accord. Je ne mens pas. Je m'en fous. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est essayer d'arriver à quelque chose. Et s'il y en a qui sont à la hauteur, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert, hein, parce que j'ai contacté la famille de Nikola Tesla en Oui. Serbie. J'ai des amis qui sont serbes, qui sont ici en France, qui vont bientôt venir me retrouver dans le sud-ouest pour qu'on puisse travailler ensemble. Et bien sûr, on va diffuser, on va divulguer. Moi, j'ai pas peur, hein. Je n'ai peur de personne. Je n'ai qu'une vie. Et tant pis si on doit Bravo. mourir pour ça, j'en ai rien à foutre. D'accord. Moi, je suis honnête. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. C'est au-delà de religion, des races. Par contre, je n'aime pas qu'on fasse du mal à un être humain. C'est tout. Je comprends. Non, mais c'est tout à votre honneur. Vous êtes une personne avec un grand cœur. Ça se sent. Ça s'entend. C'est tout. Maintenant, voilà, C'est c'était comme ça. toute la question, quoi. Comment on fait pour faire en sorte que ce système, quoi, Ben, qui nous empêche. écoutez, à partir d'aujourd'hui, ta vie, elle va changer, Marie, je te le dis. Parce que Ah, merci, tu vas Altad. voir les choses d'une manière différente. Nenki, c'est la même chose. Tout le monde, c'est pareil. Parce qu'il faut essayer de croire en l'autre. Moi, je n'ai rien vendu, j'ai pas vendu de livres, ni rien. Moi, j'ai une chaîne YouTube et je crois que je dois avoir 60 personnes. Après, ce sont les autres qui ont fait des vidéos sur ce que je dis. Tant mieux. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas, puisqu'il faut diffuser. Et Bien sûr. c'est en allant dans des rencontres, dans des recherches, que nous allons diffuser la vérité. C'est tout. C'est pas très compliqué. Marie, je sens qu'il y a quelque chose qui te démange. J'ai entendu des balbutiements. Allez, vas-y, parle. J'entendais Monsieur Bonny parler derrière et à Hassan. Je vais vous appeler Hassan, Monsieur Bonny, vous m'en voudrez Oui, pas? bien sûr, oui, non, mais tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Hein. Tout seul. je trouve ça extraordinaire, enfin, toutes ces inventions, ces trouvailles, c'est extraordinaire. Ça peut changer effectivement Monde. le monde, l'humanité. Bien sûr. L'humanité ne peut qu'en être meilleure. Maintenant, je pense qu'il y a des gens sur le chat et des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément des techniciens aussi calés que vous, hein, et qui fabriqueront jamais de machines, mais par contre qui sont en attente et qui vous encourageront bien évidemment dans tous vos travaux et qui vous enverront plein de bonnes énergies pour aller dans ce sens-là. Répondez à une question, Enki, après. Oui, je l'arrête, mais C'est illimité. Voyons, Marie, qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Je repose la question que je vous ai posée tout à l'heure à Oui, Sade, à Marie, je laquelle t'en prie. vous m'avez pas vraiment répondu. Je repose la question, comment fait-on pour diffuser ces découvertes géniales au plus grand nombre? Mais là maintenant, pas dans 10 ans. Voilà, comment fait-on, par quels moyens pouvons-nous arriver à diffuser ces découvertes géniales et ainsi bouger le paradigme qui est en place, notamment en matière technique, scientifique, etc., qui nous assomme et qui nous empêche justement liberté et vers cette gratuité. Comment faisons-nous pour diffuser cela au plus grand nombre?